Mon histoire dans la littérature était quelque part l'histoire de la langue française qui arrivait en Algérie. Et quand est-ce qu'elle est arrivée, cette langue? Elle est arrivée le jour où la flotte française arrive, quelques jours avant le 30 juin, le 14 ou le 15 juin, 1830, arrive devant Alger et vient débarquer à Sidi Ferruche, tout près. Quand c'est en pays musulman, les soldats ou les colons peuvent tout prendre, ils nous ont tout pris. Enfin, ils ont pris la terre, ils ont déstructuré la société, ils ont fait un tas de choses, mais ils ne pouvaient pas prendre les femmes. Donc l'islam fonctionnait, les femmes enfermées, parce que l'identité préservée. Et pourquoi ce sont les conquérants qui sont tellement liés à la langue? Ça peut surprendre. Tout simplement parce que malgré tout, moi j'avais une formation d'historienne. J'ai d'abord enseigné à l'université comme professeur d'histoire. Et que donc je lisais beaucoup les officiers de l'époque, pendant qu'ils faisaient la guerre, écrivaient beaucoup. Et ils écrivaient beaucoup de correspondances à leur mère, à leur sœur, à leur famille, où ils racontaient leur journée de guerrier. Mon Dieu, avec des relations plus ou moins fictionnelles, mais en même temps, une sorte de journal, comme quelle tribu ils avaient, contre laquelle ils avaient attaqué, ils donnaient des détails. Et je dois dire que mon rapport à ces multiples correspondances était un rapport double. En tant que langue, je dois constater que les officiers du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, avaient une très belle langue. Mais ce qui était curieux, c'est d'avoir cette ambivalence de rapport avec des textes écrits où vous êtes des deux côtés. Vous êtes derrière la main de celui qui écrit pour dire qu'après tout, sa phrase est bien tournée ou bien qu'il y a un rythme intéressant. Et en même temps, vous êtes de l'autre côté parce que votre aïeul ou trisaïeul, eh bien, bon, ben, son cadavre est sur le texte. Tout ceci pour dire que finalement, avec ce travail de relire les archives des deux côtés, ça m'a permis de constater que finalement, dans cette langue française, 130 ans après, ou 160 ans après, je constatais qu'il restait du sang. Parce que les langues portent quand même aussi la mémoire. Je me suis rendu compte que c'est grâce à cette langue française que je n'ai pas été enfermée à 11 ans. Alors ça, à ce moment-là, vous dites, au fond, avec la langue, peu importe que je sois devenue écrivain de langue française, mais grâce à la langue, c'est-à-dire grâce à l'école, mais la langue m'a apporté l'espace. Parce que c'était pas simplement parce que j'allais à l'école, mes cousines aussi allaient à l'école. Mais mon père était instituteur de langue française. Donc en fait, c'était lui l'intercesseur. Et donc c'est le père qui a dit, ma fille, elle continue, on va pas, comme on dit en arabe, hajbouha, c'est-à-dire prendre le voile. Lorsque mes cousines qui étaient allées à l'école primaire comme moi, même si elles étaient d'autres villages, à 11 ans, le père avait dit, non, non, maintenant, elle commence à ressembler à une femme, elle va bientôt avoir ses règles, et c'est ça, donc allez, le voile, la maison, et à 15 ans ou à 18 ans, on va la marier. Donc j'ai vécu par procuration les drames de mes cousines ou de filles de mon âge, on leur disait, maintenant, tu mets le voile. Alors j'ai une cousine qui disait, je ne mets pas le voile.
Alors elle a été enfermée, elle n'est pas sortie de chez elle de 11 ans à 18 ans. Mais elle n'est pas allée à l'école. Ma grand-mère ou bien les dames, parce que ça passait par les femmes, pas ma mère, mais ma grand-mère ou les vieilles tantes, me regardaient d'un air suspect à 13-14 ans pour dire « mais vous n'allez pas en faire un homme, mais il faut qu'elle retourne à la maison, les demandes en mariage vont arriver, il y avait le schéma ». Et c'est mon père qui disait « non, elle fait ses études ». Alors on disait, je l'ai dit dans L'amour, la fantaisie, ma mère disait « c'est pas de ma faute, tsakra », c'est-à-dire « elle lit ». Elle le disait, elle lit, c'est-à-dire elle étudie. Donc c'était une sorte d'excuse, mais en fait c'était ça la clé. Et moi, j'allais à Blida, l'internat. On arrive là où on était adolescente et on a envie de bondir et de sauter. Les heures de récréation, voilà, c'est ça que j'ai pu avoir. Au lieu de dire que dans ce merveilleux lycée, j'ai appris les auteurs latins, les auteurs grecs, Montaigne, Baudelaire. En fait, c'était plutôt de pouvoir tous les jours faire une heure de basket. Hein, ça, je ne suis pas sûre qu'actuellement, à Blida, les filles qui vont au collège, elles peuvent faire une heure de basket tranquille. Le fait d'avoir été interne, vraiment, c'est d'avoir pu le basket et l'athlétisme. L'athlétisme, ça faisait un autre problème, c'est qu'il y avait l'autre stade qui était en dehors du lycée. Et quand on s'entraînait et que j'étais en short, j'avais peur que mon père arrive le jeudi. Et que ça aurait été la catastrophe. Donc j'étais vraiment... Je faisais du sport, mais en même temps, j'avais la trouille du père. En même temps, il ne fallait pas le dire aux Françaises. Je ne pouvais pas dire « Ah, mon père, si je fais du sport en dehors du lycée, il me fait rentrer à la maison et il m'enferme parce que c'est indécent. » Alors, comme je savais que c'était ridicule, je ne le leur disais pas. Bon, et puis bon, il était quand même aussi, en même temps, comme beaucoup d'autres instituteurs, à lutter contre une discrimination. Il avait, par exemple, une école uniquement de garçons arabes, fils d'ouvriers. Et donc, il y avait au niveau des garçons la classe pour les musulmans et les autres classes. On considérait que eux, comme ils ne savaient pas bien le français, il fallait qu'ils fassent 2 ans pour... Donc, ils se bagarraient pour une sorte d'égalité. Je me souviens, c'était, je crois, la guerre, et c'était Vichy, et j'ai eu mon premier prix, je ne sais pas, à 5 ans ou à 6 ans, un premier prix, et c'était quoi? C'était un livre sur le maréchal Pétain. Alors, toute fière, je suis allée le montrer à mon père, et mon père a eu un sourire ironique parce qu'il était gaulliste. La première photo de moi, c'est moi dans la classe de mon père, au milieu de 30 petits garçons de 8 à 10 ans, et moi, 5 ans au milieu, la seule fille. J'aimerais quand même bien savoir tous ces garçons à qui j'ai pas parlé, mais qui étaient sur cette photo, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ça s'appellerait la classe de mon père. Dans ma classe, c'était les filles de colons. La Mitidja, c'était vraiment le... Et moi, j'étais donc une des... Au début, on était 7 ou 8 musulmanes, on disait, sur 500 lycéennes. Après, on était un peu plus. Mais donc, au moment où j'étais la seule dans ma classe, et avec des copines
au dortoir, fille d'Italien, de pieds noirs, et avec qui j'avais des relations sympathiques. Elle ne se rendait pas compte, elle souffrait d'être interne. Mais moi, l'internat, ça m'avait apporté un tas de choses que ne m'aurait pas apporté la maison. Ça m'avait apporté le stade, le basket, le sport, et un tas de choses. Et donc, et en même temps, j'avais l'espace. Bon, ce qu'il y aurait peut-être à dire, c'est qu'en sixième, j'avais demandé à faire de l'arabe comme langue étrangère. Et que on est venu me dire, la directrice est venue me dire, vous comprenez, on ne va pas mobiliser un prof d'arabe que pour vous. Comme langue étrangère. Oui, première langue étrangère, mais je n'y ai pas eu droit. J'ai fait latin et anglais comme tout le monde, et latin parce que j'étais en classique, mais je n'ai pas pu faire de l'arabe. Donc je ne peux pas dire, ah, dans cette classe, c'est tel ou tel grand poète arabe. Mais en fait, je crois que maintenant, 40 ans après, je ne sais pas si tout en faisant de l'arabe, ils font vraiment les autres littératures en 6e et en 5e. Donc maintenant, c'est d'autres censures qui ont lieu, hélas.